Salut tout le monde, c'est Alain et le CT, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et j'ai oublié de vous dire, j'ai oublié que c'était la rentrée. Et j'espère que votre rentrée s'est bien passée et n'hésitez pas à me dire comment ça s'est passé en commentaire. Donc cette vidéo va parler de moi, je crois, du coup, parce que c'est une sorte de Ask FAQ, il y a une dizaine de questions, j'essaie d'y répondre. J'ai vu les questions, c'était pas trop top, mais voilà, on va répondre. Du coup, la première question est de Zoé CVL. Ta vie a changé depuis que t'es un peu connu quand même. Les questions viennent de TikTok, donc c'est par rapport à TikTok un peu. Putain, il y a une mouche, je crois que c'était une abeille, j'ai failli avoir peur. J'ai failli faire une attaque. Ce que j'appelle connu, je suis à peine connu, hein. J'ai que 10K. Puis les gens, ils sont pas actifs sur TikTok, donc ma vie, elle a pas changé du tout. C'est comme si j'avais toujours mes 1K, en fait. Je fais toujours des vidéos, quoi. Puis c'est tout. Oui, je connais peut-être un peu plus de personnes, j'ai rencontré Laure. Puis voilà. Enfin, dans la vraie vie, hein. J'ai rencontré Laure. Puis c'est tout. Et rencontrer personne d'autre. Prochaine question. Putain. Tu es aussi bizarre dans la vraie vie. Ça dépend en fait. Ça dépend de la personne en fait. Je vais pouvoir savoir si avec la personne je peux être moi-même. Genre je sais que avec Laure, quand j'étais à Paris avec elle, je sais qu'avec elle je pouvais être moi-même en fait. Je pouvais. Je pouvais rigoler avec elle. Je pouvais. On avait à peu près les mêmes délires, donc quand t'as à peu près les mêmes délires avec la personne, c'est plus facile, je trouve, de d'être toi-même, en fait. Même si, par exemple, je la connaissais pas, hein, on se parlait sur Snap, mais là, c'est comme si ça faisait, je sais pas, 30 ans qu'on se connaissait, quoi. Peut-être pas 30 ans, j'abuse, hein, mais genre, c'est comme si ça faisait longtemps, vous m'avez compris, quoi. Puis quand t'as les mêmes délires que la personne, c'est plus simple, je trouve. Ouais, voilà. Bon, on va passer à la prochaine question, hein, la troisième. Ta copine en a pas marre de tes conneries. En fait, t'as dû mal comprendre, puisque j'ai pas de copine. Voilà, t'as dû très très mal comprendre. Oui, voilà. J'ai pas de copine, donc ne peux pas en avoir marre de mes conneries. Sur TikTok. Je me dis que j'avais une copine. T'as dû inventer ça, je pense. Est-ce que tu as un cerveau des fois? Oui, si tu veux, je peux te le montrer. Attends. Non, je peux pas te le montrer, désolé, ça va pas sortir. Oui, mon cerveau. Par contre, cette vidéo va être très courte, je crois. Je peux passer dans ta vidéo et me faire une petite dédie. Ça te fait quoi de te dire que tu as presque 10K de personnes qui te suivent? C'est assez bien. Après, j'ai rien à dire sur ça. Parce que. Voilà, c'est. Voilà. Enfin, c'est énorme, mais. Je m'en rends pas compte, quoi. J'ai pas. Ça me fait rien, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je débatte sur ce sujet? Voilà. J'ai rien à dire sur ce sujet. Voilà. Passons à la prochaine question. T'es en couple? J'aurais dû passer à cette question en premier, genre pour pas. Non, je ne suis pas en couple. Peut-être un jour. Un jour viendra. C'est quoi la suite? Il y a une chanson comme ça, attendez, je vais la mettre. Je vais te dire, c'est quoi ça? Un jour, ma princesse viendra, et ce jour arrivera, où je la prendrai, où je lui montrerai. Voilà, on va passer à la suite. T'as une photo de ta copine? Voilà,
C'était simple. Je ne dirai rien parce que je n'ai pas de copine. Tu as commencé Musicalicant PS, je te kiffe de ouf. Tu as commencé Musicalicant PS, je te kiffe de ouf. Du coup, j'ai commencé Musicali en 2006. Il y a très très longtemps, c'était en 2006. Si je me rappelle bien, c'était le 19. Non, attendez. C'était le 32 décembre à minuit 50. En 2006. Puis j'ai lâché l'affaire jusqu'en mai 2017. Oui, c'est ça. J'ai lâché l'affaire jusqu'en mai 2017. Puis j'ai vraiment commencé à faire des musicali. Voilà, voilà. Les musicali ont une histoire. En vrai, j'ai commencé musicali. J'avais juste du lion de salé en 2014, comme tout le monde, faire un compte. Puis. J'ai jamais rien posté jusqu'en mai 2017. Puis voilà, hein, c'est tout simple. Jusqu'en mai 2017. Du coup, voilà, cette vidéo prend fin. Les gens, n'hésitez pas à mettre en com, parce qu'en fait, je veux changer de nom sur mes réseaux. Du coup, n'hésitez pas à mettre des noms en commentaire de quel nom ça vous plairait que j'aille. Puis je ferai un... Je ferai une story sur Insta, les noms qui sont les plus revenus, genre. Enfin, les noms qui me plaisent le plus. Et je te mettrai une story, vous préférez lequel, celui-là ou celui-là. Puis voilà, quoi. Puis je changerai tous mes réseaux. Voilà, voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire, un like. Pouce bleu et like, c'est la même chose. Un commentaire, un like. Des critiques constructives, je dis bien constructives, parce que sur... la vidéo, la parodie, là, j'ai fait une parodie, les gens étaient des vrais petits cons, on va dire. Ils n'ont pas compris que je parodiais une parodie. Je crois qu'il y a le téléphone qui ressemble. Ouais. Du coup, bah voilà, la vidéo s'arrête là. Bisous. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down.